honorer la mémoire d'un grand homme qui a marqué son siècle, le général Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance d'Haïti. Il était mort dans une cellule du fort de Joux, dans les hauteurs du Jura en France. Il avait 60 ans. C'était le 7 avril 1803. Suite aux démarches pour la récupération et le rapatriement de ses restes, notre héros national est entré au Panthéon aux côtés de Dessalines, Christophe et Pétion le 7 avril 1983. C'était un jeudi. Ce jour-là, le musée du Panthéon national haïtien Mupana a ouvert officiellement ses portes aux visiteurs. Enfants, jeunes, adultes, haïtiens et étrangers, pour le partage des connaissances sur l'histoire et l'art haïtien. Voilà déjà 33 ans. En tant qu'institution culturelle, gardienne de la mémoire nationale, il incombe au MUPANA le devoir d'immortaliser le souvenir de nos ancêtres et pères fondateurs. Merci. D'où la finalité de cette conférence débat de ce matin. Il s'agit d'actualiser l'idéal de Toussaint Louverture dans notre contexte politico-social. Avant de passer la parole au modérateur du jour, M. Mozart Ferron, je tiens à remercier nos chers panélistes dévoués, toujours présents pour nous ici au MUPANA, le professeur Hérold Toussaint et le professeur Pierre Buteau pour leur contribution à accomplir ce devoir de mémoire. Bonne conférence et bon débat. Louverture est un leader révolutionnaire accompli. Total. Il y a une relation fusionnelle entre l'ouverture et les masses. Et ce qu'il a dit, il le réalise. En très peu d'années, l'ouverture devient presque maître de la colonie. Et alors, à partir de ce moment, se développe, se dévoilent les ambiguïtés d'un leader notable et ce qu'on appelle aussi la révolution. Que veut la révolution de Saint-Domingue? La fin de l'esclavage. Que veut la révolution de Saint-Domingue? La fin du racisme. Mais aussi la fin du système colonial. L'ouverture est prête et a donné, par sa contribution à la révolution, une organisation, mais encore et surtout la liberté. Il a donné aussi à la révolution son éclat, la liberté et aussi l'égalité raciale. Il était très sensible et à la question raciale. La liberté générale, oui. La fin du racisme, institutionnellement, oui. C'est une honte pour la nation haïtienne de commémorer la mort de Toussaint Louverture avec ce taux élevé d'analphabète. C'est pas possible. Il n'est pas possible, Pierre Jeune, il n'est pas possible. Pour nous commémorer la mort de Toussaint Louverture, comment Toussaint Louverture a essayé qu'on lit, qu'on écrit, pour aider les gens dans sa journée, je dis. Nous avons tout le monde qui va qu'on lit, qui va qu'on écrit, qui va aller à l'école pour eux. C'est une honte pour la nation haïtienne. C'est une honte pour l'État haïtien. Pourquoi commémorer la mort de Toussaint Louverture? Pourquoi? Et là, nous nous adressons à toutes les couches de la société haïtienne. Nous nous adressons aux blancs qui habitent la terre haïtienne. Nous nous adressons aux noirs qui habitent la terre haïtienne. Nous nous adressons aux mulâtres qui habitent la terre haïtienne. Nous nous adressons aux syro-libanais qui habitent la terre haïtienne. Qu'est-ce que nous faisons pour les fils de Toussaint Louverture? Pour les fils et les filles de Toussaint Louverture? C'est pas possible. Nous ne pouvons pas bénéficier de terre à Toussaint Louverture. Nous ne pouvons pas faire rien pour petite de Toussaint Louverture. Ça doit être le sens, c'est-à-dire l'air fêter la mort de Toussaint Louverture, l'air pas fêter, non, l'air commémorer la mort de Toussaint Louverture, il faut être un bon jeune, un bon petit jeune. Ils mettent une bonne école pour eux, un bon petit fille, un bon petit garçon, il y a plus l'école pour eux. C'est l'époque de commémorer, pas de commémorer, d'inaugurer. Ce n'est pas le temps de faire des promesses, d'inaugurer chaque année des écoles. Pour les garçons et les fils et les filles de ce pays.